Hey, salut! Non, remets pause. Oh, pardon. Stop! Déjà, tu dis bonjour. Bonjour! Putain, à chaque fois, je te t'apprends la politesse. Pardon, désolé. Incroyable. Bonjour, pardon. Des gifs, ouais. On a 12 cristaux. 12 cristaux sur 25. Mais surtout, 9 diamants sur 12. Ce qui veut dire. 42. Ouais, non, mais sur les 12 cristaux oui, qu'on sur a. Cristaux, ouais. Ce qui veut dire que. Il y a 3 niveaux où on n'a pas trouvé les cristaux. Enfin, les. C'est-à-dire les... que. 9. Tu veux dire qu'on a les 3 quarts? De quoi? Hey. Des diamants? Calcul rapide. 3 quarts des niveaux qu'on a fait. Ouais. Ah ouais, ouais, on n'a pas trouvé les. Mais parce qu'ils sont pas dispo, parce que justement il y a d'autres chemins par lesquels il faut qu'on passe. Ouais. Et pour les passer, il faut récupérer les gemmes de couleur. Et par tous les chemins. Je. Avec. Plastique. Eh, tu sais, j'ai un super jeu. Ah, nice! Non! J'ai un super jeu. Ouais, t'es mort. Okay, super. J'ai un super jeu, c'est. Attends. Merde, j'ai oublié. Ça a l'air super bien ton jeu. Comment ça s'appelle? Vas-y, le jeu d'Adrien. Pomme, pomme d'api. D'api, d'api. Rouge. Non, dur. Tu dis d'api, d'api, dur. Pomme de renette, pomme d'api. D'api, d'api. Et là, il faut. D'api, d'api, tu dis? Je sais pas. C'est d'api, d'api. Ouais, et en fait. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est. Bernard tapis. Ah, et en fait, il faut qu'on chante ça en même temps, qu'on se concerte pas, ouais. Et que on dise la même chose, la même couleur. C'est le but du jeu, c'est de dire la même couleur. D'accord. T'es prête ou pas? Ouais, je suis prête. Ah, ok. 3, 4. Pomme de renette et pomme d'api, 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 d'où. Non, dur, dur. Pomme de renette et pomme d'api, 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 vert. Ah. Bon, on recommence. Ah merde, ok. On a un super jeu. Mais hey, bonjour Lorraine. Bonjour Lorraine. Dis bonjour. Vous êtes des gens bizarres. Bonjour. Mais non, bonjour. Tu veux jouer avec nous? J'ai pas compris le jeu, je mais peut-être pas. Que tu comprendras mieux que moi. En fait, il faut chanter pomme de renette et pomme d'api, d'api, d'api dur. Mais d'api, pomme... pas d'api. Mais pomme je... de renette et Bernard d'api. Voilà, tu vois, la même. D'api, et après tu dis dur d'abord, et après tu dis une couleur, genre rouge, vert, gris, jaune, mais c'est quoi le but? Et le but, c'est que... on dise la même couleur, sans se concerter. Sympa comme jeu, non? Allez, on y va. C'est un jeu où tu te fais pomme chier dans de renette bagnole, quoi. Et pomme d'api, 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 d'api du jeu. Oh, pomme de renette et pomme d'api, 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 d'api ocre. Ocre? Vraiment? Bon, on a vraiment pas... T'as pas joué, Lorraine? Pomme de renette et pomme d'api. Stop! Voilà. Tapi, tapi. Attends, on recommence du coup. C'est par contre, c'est pas un bonus. Non, je sais. Pomme de renette et pomme d'api, d'api, d'api dur. Pomme de renette et pomme d'api, d'api, d'api mauve. Saumon, t'es sérieux? Oh lol. Et PJ, lol. Merde, j'ai foiré. Hein. Franchement, l'art du teasing quoi. L'art du teasing. Ah. Est-ce que PJ et Adrien arriveront à trouver la même couleur? Ah merde. Non, et on s'en fout. Oh bah l'autre, elle. Oh, elle a dit qu'elle s'en foutait. C'est pas gentil ça. Mais ouais. Y'a quoi la pizza dégueu? Elle est au plastique barbecue. Tu en veux? Poulet barbecue. C'est celle que j'avais mangée le jour? Non, c'est pas celle-là. Je sais. Ah, ma préférée. Oh, ma grosse. Bon, alors, chien, elle est coincée sous la table. Les chiens, c'est très bizarre. Bah, surtout celle-là. Hein. Ouais, elle est vraiment débile. Tiens. Mais je suis sûre qu'elle est très intelligente en fait. Elle cache très bien son jeu, je pense. Ouais. Mais il y a des fois où elle fait des trucs fous. Hein. Ouais. Elle est bien. Genre elle aboie. Non, mais qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait fait un truc bien. Franchement, elle a récité le Coran par cœur. Là, franchement, la mémoire qu'il faut pour ça, c'est incroyable. C'est la nouvelle Franklin. Elle s'est récité le Coran à l'endroit et à l'envers. Et lassé ses chaussures. Et lassé ses sandales, ouais. Lasser ses sandales. Et lasser ses crocs. Pourquoi c'est drôle? Parce que les sandales, il n'y a pas de lacets. Adrien Carlier. Bonjour. Humoriste. Humoriste professionnel. De père en... De père en fistre. De père en fichtre. Ah oh, bah oui. D'ailleurs, quand tu sais plus quoi dire, tu lis tes fichtres. Oh la vache. Comment ça la vache? Je pense que c'est la fin de soirée un peu, non? Non. C'est il ne fait que commencer. Et Mange-le donc. Mange quoi? Mange donc du
Boudin. Hachi. Frishti. Frishti, c'est comme. Mais non, là t'es mort. Oh merde. Bah là t'as oublié des. Oh, bon, non, c'est pas grave. Non. Putain. Alors attention, je vais faire une imitation. Je crois que j'avais déjà fait dans les Alco Geeks. Vas-y. Attention. Non. C'est DJ. Ouais, DJ. Ton nom. Oui, ton nom. Non. Autre imitation. Ah, celle-là, vous y attendez pas. Vous la connaissez. Vous savez que je suis un spécialiste de celle-là. Mais vous la connaissez pas. C'est genre, là, c'est un peu difficile quand même. Vas-y. C'est difficile la crash. Ouais. Tu dis, on n'y arrivera jamais. Vous l'avez chez vous? Oui! Oh là là! On n'y arrivera jamais. Ok, ouais, non, mais là, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment ça se passe? Le vent souffle. Oui. Et le feu brûle. Et du coup. En fait, la fin du cinquième élément, c'est Charlie paroles Lili. De. Ouais, le c'est ça. Feu, ça brûle. Et je rappelle que très bientôt, normalement, si tout va bien. Tu vas revoir Jean-Michel Jarre? Oh putain, j'aimerais trop. Non, je vais voir Death Witch avec Bruce Willis parce que c'est Bruce Willis. Et qu'il y a quelqu'un qui a réussi à me le vendre encore mieux que n'importe qui pour essayer de me vendre un film en disant à quel point ce film est horrible et que c'est un film pro NRA. J'étais genre génial, j'ai trop envie de voir cette merde. Mon flingue. Oui. Parce qu'après les gens vont croire que je suis de droite et tout, c'est génial. Bah, en même temps, t'as bien aimé John Wick. Hein non. Ah bon. Non, c'est pas moi qui ai bien aimé John Wick. Ah bon, c'est qui alors? C'est pas parce que j'ai fait un jeu de John Wick tout de suite. Bah si, forcément. Ah. Allez, et maintenant, oh non. Ah! Shit! Ouais, il faut les tuer. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est saloperies sur la veste. Ah. Oh putain, comment ça? Chemise. D'accord. Oh. Alors, j'ai des saloperies sur la chemise. Ouais, tu es sale, Adrien. J'ai un serpent dans ma botte. Moi, j'ai des saloperies sur ma chemise. Non, d'ailleurs, en parlant de serpent dans la botte, Adrien, tu as déjà joué à Kingdom Hearts? Non. T'as envie d'y jouer? Bah ouais. Ah ouais, c'est vrai? Bah pourquoi pas. Bah. Y'a Sephiroth qui se bat contre Mickey, non? C'est un peu ça le principe, ouais. Ah, encore mieux que Avengers, quoi. Non. Non. Parce que là, j'ai vu que dans le 3, t'allais pouvoir jouer dans l'univers de Toy Story. Oui. Et j'ai très peur, parce que déjà, moi, les premiers Kingdom Hearts, j'ai vraiment pas envie d'y jouer, parce que le mélange... Ouais, t'aimes pas le panaché. Square Enix, Disney, je trouve ouais. Que c'est pas pour moi le mélange le plus. Mais tu sais que Square Enix, ils ont fait pire comme mélange. Ouais. Parce que là, il y a eu Final Fantasy XV qui est sorti sur, sur PC. Ouais. Et du coup, ils ont mis plein de skins. Ouais. Des skins officiels, hein, plus que des modes. Ouah, vas-y, tu vas y arriver. Du genre Gordon Ramsay. Non. Gordon Freeman. Ah. Oh oui, en attendant Half-Life 4, 4. Excusez-moi, je suis trop dans le futur. Le 3, ouais. Je suis déjà dans le futur. Ils ont mis Gordon Freeman, genre tu peux jouer Gordon Freeman dans Final Fantasy XV. Excellent. Eh, hey, t'as vu, j'ai raté la boîte. Maman, j'ai raté la boîte. Bientôt sur M6. Voilà. D'ailleurs, sur M6. Y'a Top Chef? Non, c'est fini. Ah bon? Oui. Ok, bah, c'était le programme télé par Adrien. Tu te souviens quand je parlais de Top Chef, c'est-à-dire bah pas souvent. Hein. Non, jamais. Je disais que ma télé, elle me servait à regarder Top Chef. Top Chef et les rodis de Kaamelott. Et maintenant. C'est juste Top Chef. Non. Et maintenant. C'est juste. Aussi. Oh, Burger Quiz. Oui. Je te promets que j'ai eu larmes aux yeux. Et tu sais qui a été dans Burger Quiz? Non, je sais pas. Rigole pas toi. Vas-y, vas-y. Tarte ta gueule à la récré, wesh. Vas-y, baisse ton rire. Baisse ton rire. Ouais, bon, vas-y. Tu peux en parler de très loin du micro, vas-y, dis-le. Bah, j'en ai déjà parlé précédemment. Ouais. De mon passage. Ok, excusez-moi. Bah, attends, c'est notre faute à nous si t'arrives 3 ans après la bataille, toi. Bah, ouais. Hein, Adrien? Monsieur, j'ai un. Monsieur, je. Oh la vache. Oh. Putain, franchement, Adrien, je vais pas ramasser tes dents avant de partir. Bah non, mais déjà que j'étais content d'avoir perdu du poids, et que c'est pas parce que je l'ai repris que. Oh, mais non, Adrien. Non. Ah, ça va. T'es un con, mais t'as. Ouais, franchement, t'as qu'une gingivite. Merde, il manque 4 caisses. Ah non, mais c'est les caisses nitro. Bah oui, bah okay, il est con. Ouf. Parce que là, elles vont exploser là. Voilà. Non. Du coup, ouais. Non mais pour de vrai,
le Burger Quiz a repris. J'ai regardé ça et j'avais vraiment les larmes aux yeux. Mais moi aussi, moi, c'est pareil, c'était incroyable. Moi c'est pareil, mais t'imagines pas ce que j'ai ressenti quand on m'a envoyé un message pour me dire hey, tu veux venir au Burger Quiz. Elle était intenable. Mais c'était pas possible. Il y avait plus rien d'autre autour qui existait. Ah fuck. Mais il est con. Je t'emmerde. Oui. Bonjour. Je t'emmerde. Oui, oui. Tu n'es pas un maigre con. Ah. Si tu vois ce que je veux dire. Hein. Eh. Hey. Hein. J'ai compris, tu n'es pas un hébreu con. Un hébreu. Ah, ouais, parce que je suis pas té, je suis juste hébreu. T'es hébreu. Ça va trop loin. Mais non. Moi j'étais sur le lard ou le cochon alors. Sûr. Le lard ou le cochon. Ah bah oui. Après le pâté. Ah. Après les gaumons, tout ça. Les gaumons pâtés, bah oui. Ah bah ok, j'ai même pas eu la question. Bah. Pourquoi pas, écoute. Yay! Vous partez trop vite, trop loin, vous savez. Oh non, Polar! Ah! 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 Frika! Le freak! C'est chic! Et pourquoi Polar n'explose pas? Ah, parce qu'on tue pas les petits ours. Si. La preuve, regarde. La preuve en est que. Quelle est la dernière vidéo que j'ai vue avant de venir ici? Oula, c'est quoi? C'est une vidéo qui dure 4 secondes, c'est du bonheur. C'est quoi? Bonjour monsieur Sarkozy, ici Élise Lucet. Oula. Voilà, c'est juste ça et ça m'a fait plaisir. C'est bien politique. C'était beau. Non, mais c'était beau, écrasé Polar. Oh. Il a disparu Polar, t'as vu. J'espère qu'il a pas des hémorroïdes. Des polaroïdes? Oui. Ah, comme ça il a des hémorroïdes tout de suite. Des hémorroïdes instantanées. Ah ben non, les polaroïdes c'est pas forcément instantané. Si. Si. Bah si. Ah mais non, c'est argentique. Non, si. Non, bah si, les polaroïdes c'est une marque. Donc ils font aussi des marques, ouais. Oui, comme Frigidaire, comme Sopalin, comme Kleenex, comme Clint Eastwood, comme Emmanuel Macron. Oh, franchement, t'as un projet, ma gueule. il est criard. Hein. Oh mon dieu, mais c'est quoi cette tête qui t'en fait, mon pauvre Crash? Waouh. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il reste comme niveau avant de passer au reste. Bear Down, Rot Ruin. Eh ben écoute, Adrien, ce sera à toi de le faire dans les prochains épisodes. Waouh, c'est incroyable, j'ai hâte d'être au prochain épisode pour que je fasse Rot to Ruin ou Bear Down. Je sais pas.